Je connais l'espèce de vieux sous-sol. SCP. Ah. Alors, voyons. Faut pas courir. D'accord. J'étais dans une espèce de vieille salle fermée. Je sais pas comment on est entré là. Maintenant, il y a une espèce de vieux endroit de briques. Pixelisé. Regardez ça, comment c'est pixelisé. Tant de pixelisation. C'est tellement beau. Alors, voyons. Floor 1. Je suis à l'étage 1. Il y a un virage. Eh, quel magnifique virage de Jean-Pierre Obi. Ah, caméra qui part en tous les sens. M'a dit que ce jeu faisait peur. On va bien voir. Ouais, pour l'instant je vois juste flou, j'ai la caméra qui déconne, plafond est moche, les briques sont pixelisées. Et il y a des virages. Et on descend. Et je sais pas ce que je fous là, franchement, je serais un mec comme ça, je baladerais dans une vieille cave comme ça avec des briques. Ouais. Hey, pourquoi tu bouges, caméra? Oh, enfin. Reste droit. Ouais. Oh, j'entends quelqu'un respirer. Il est ni derrière, ni devant. T'es dans le mur, gros? Je te sens sur de là, Joe. Ah, on peut pas casser les briques. Je voulais le faire sortir de là, mais... Bah, tant pis, désolé. Alors... Oh, dis-le à l'aide, c'est pas peu de respirer dans mes oreilles, enfoiré. Alors... Peut-être que c'est moi qui respire. Putain, je respire fort quand même. C'est complètement con, je suis dans une cave comme ça, je suis censé avoir peur et tout, je respire comme un gros porc, putain... Je voulais un tirage de monstre aussi, hein. Ouais... Encore des briques. Vous avez remarqué, c'est toujours la même texture de briques. Regardez. Là, comme c'est comme ça, un peu déchiré blanc et tout. On descend un peu. Et oh, 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 la même déchirure blanche et tout. Oh, oh. Ils sont même pas foutus de faire des vraies textures de briques pour le mur entier. Franchement, je peux faire la même chose dans Minecraft. Hein. Les vieux bruits de pas mal fait. On dirait du 8-bit. On est dans un jeu vidéo. je peux pas courir, sauter là. J'aurais me lancer dans les escaliers, courir comme un barbare en hurlant et en tapant sur les murs. Bah oui, quitte façon à se faire bouffer par un monstre dans ce jeu. Bah oui, c'est forcé, un jeu d'horreur, c'est forcément parce qu'il y a des monstres. Je dis bien parce qu'il va pas y avoir le colonel moutarde avec le chandelier dans la cuisine qui va venir me buter, hein. Mais c'est quoi ce vieux gars? Ouais, désolé. Ouais, alors il y avait un vieux gars là du voyage de Chihiro qui apparaît devant moi. Bah continuons, hein. Il est pas derrière moi, non? Non, toujours la vieille ombre. On m'a dit qu'il faisait peur, mais bon, c'est juste le vieil homme de Chihiro là, avec son masque blanc qui vient. Ou alors... Sur le vieux escalier, on descend, étage 8... Ça aurait fait beaucoup plus peur en passant une soirée à regarder avec un film d'horreur, hein. Franchement, c'est pour jouer à un vieux jeu où tu te balades dans des salles faites de vieilles briques, là. Oh, des briques! Alors, on va continuer. Une grande salle. Ouais. Alors, on va continuer. Plus lentement, mon gars! C'est comme ça qu'on réussit dans la vie, c'est en allant lentement. Mais oui, j'ai bien vu un mec lent. Allez, petit virage! On descend. Comme d'habitude. Oh, mais c'est pas vrai, vieille caméra là qui tourne mal. Regardez-moi ce plafond, il est moche! En plus, c'est quoi cette vieille architecte là qui a décidé de faire des tournants en tous les sens? Ah merde, je monte là. Ouais, ouais, là je montais, ouais, j'étais déjà en train de tourner par là. Genre il y a du vent. Genre il y a du vent là-dedans. Genre il y a du vent. Et ils ont inventé du vent, ils ont mis des ventilateurs. Mmh, mmh, mmh.
Donc on est toujours en train de descendre comme des gros porcs. Ils ont décidé de me faire poireauter combien de temps là? Parce que c'est censé faire peur, hein, vous savez. Moi j'attends, hein, là, j'ai envie de voir des bons, j'ai envie de voir des créatures, des cassages de briques, des trucs de ouf, des sorties du sol et tout. Et non, ce que j'ai, c'est un vieux couloir sombre avec des briques pixelisées, un plafond tout gris. Le sol aussi est gris d'ailleurs. Ils sont mis à faire de la symétrie, vous avez vu? Gris, gris, gris. Voilà. C'est gris partout, c'est chouette, c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une salle, exactement la même qu'avant. Ça sert à rien de toute façon que je regarde les coins des murs et tout, va rien avoir. Ah, il y avait un truc là. Il y avait pas un truc. Allez, montre-toi. Non, rien. Bon, bah, continuons. Continuons notre chemin, camarade. Alors, toujours rien. On tourne. J'aime pas quand il y a des screamers, genre ça te hurle dans les oreilles et tout. Évidemment que là on a peur, c'est normal. Toi, il y a un mec qui arrive avec un couteau hurlant sur toi. Tu vas faire bonjour, voulez-vous une tasse de thé? Non, moi j'aime bien les trucs genre amnésia, tout ça, où ça fait peur à cause de l'ambiance et tout. Là, je suis désolé, l'ambiance elle est pourrie. C'est facile, moi, de faire crisser des ongles sur un tableau noir et ensuite se promener dans des vieux trucs sombres. Regardez ça, en plus on voit pas 2 mètres devant soi, genre d'un seul coup il y a un mur noir devant nous. Je sais rien voir, c'est quoi mes yeux des lampes torches là? Parce que c'est bizarre de voir aussi bien dans un endroit aussi profond, je suis quand même au 12e étage sous terre. Allez, on descend encore, il se passe rien. Au moins si le Medushiro revenait et me butait, ça finirait le jeu, ce serait plus simple. Allez. Oh non, mais dépêche-toi alors, oh putain. Il y a ça, la musique aussi, elle est en boucle, ce jeu pue! Et dire qu'il y avait des gens qui disaient oh, j'ai eu peur de ma vie et tout, j'ai hurlé à la mort et tout. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux hurler à la mort avec ça? Ici, il parlait du mec de Shiro. Oh, à rigueur, ça m'a surpris. D'accord, je veux bien l'admettre, ça m'a surpris. Mais franchement, honnêtement, je veux dire, c'est juste un vieux mec noir avec un masque. Ce mec a honte de lui, il se cache sous terre. Comment tu peux avoir peur d'un tel truc? Moi, je lui colle, je mets un coup de pied dans la face, là. Putain. Allez, là, 15e... Oh, ça y est, il fait nuit, la bonne vieille technique, là, je me retourne, et on va me tuer. Bah, butez-moi, au moins. Bon, mais qui te fout dans le noir? Bah voilà! Bute-moi, toi! Ah, en plus, il avait un sourire rouge. Moi, je vous le dis, ce jeu craint.